All right. Thank you, everyone, for coming back. So the context of this actually comes from, it's a white paper. And raise your hand if you've read this or you've heard about it. It's the World Economic Forum, and it's the Future of Economic Services. Have you heard about it, or have you read it? Okay. So also, just so I can get a read, because I don't want to confirm, or I don't want to assume, I want to confirm, raise your hand if you're coming to the hackathon next, like the, you know, the development. Yes? Okay, we've got some people here. Okay. So, the context of this, and I noticed that it appears that it's a little bit small, and that's why I'm holding this laptop, so I can refer to things a little bit. There's a lot of data here. This was actually compiled over, like, I want it to, like, 30-plus experts, and it's incredibly rich. So we'll make sure that we get the link to you. We'll make sure we'll get the link to you so you can read this white paper. So as you see in this this six-part diagram, essentially with what they do is they break this down into six, it breaks this down into six functions of financial services and 11 clusters of innovation. Okay. So what I'll do is I'll just go through each six and raise your hand if this applies to you. Okay. So if you have anything to do with payments, raise your hand. Okay. Payments. Okay, very good. Yeah, exactly. Of course we deal with payments. All right. Insurance. A little bit. Okay. Market provisioning. That, I think that's a fancy name for like data, like the back end. Anyone? IT? Who's here? Yeah? Yeah, it's a great question. So in at least what they talk about here, it's like analytic business machine learning, smarter, faster machines, market information platforms. Is that, can I get a little bit more sense? So investment management, raise your hand. Okay, yeah. Capital raising. Okay, and then the last one, deposits and lending. So, so let me go to the next era. Could you help me? Here, let me go back here. Maybe if you could give me a hand. Okay. So we've synthesized key high-level insights on innovation in financial services in this white paper. And so I'll go actually through, I'll go through two of them, and then I would love to hear some discussion and questions that you have around there, or you know, thoughts around them. So the first two is innovation in financial services as deliberate and predictable. Incumbent players are most likely to be attacked where the greatest sources of customer friction meet the largest profit pools. And the second, innovators are having the greatest impact where they employ business models that are platform-based, data intensive, and capital light. So this is actually an aspect of, for example, the platform that is going to be in the process with the you know, with the application, with the mobile applications. So where you're able to add value to
you're able to add value to the customer in a way that is beneficial to them. So give me some thoughts here. Okay. So the next most imminent effects of disruption will be felt in the banking sector. However, the greatest impact of disruption is likely to be felt in the insurance sector. So the actually that'd be great. Okay. En fait, l'idée, c'est à travers cette présentation-là, c'est on a identifié quelques thèmes sur lesquels on peut faire de l'innovation justement bancaire. Et l'idée, c'est plutôt vous entendre, partager avec nous vos idées par rapport à ça. Comme ça, on peut identifier des premières pistes qui nous aideraient justement dans le hackathon. Et en fait, c'est une discussion qui est ouverte, auquel tout le monde devrait participer. Donc, on vous demande de proposer en fait quelques idées. Et quels sont les sujets les plus importants sur lesquels vous pensez que aujourd'hui, il faut absolument innover dans le domaine bancaire. Je rejoins ce que tu dis, Nadie, effectivement, parce que le hackathon, c'est vraiment, on ne sait jamais ce qui va sortir du hackathon. Mais par contre, à mon avis, c'est intéressant déjà que les jeunes start-upers, les jeunes étudiants, en tout cas le regard externe, puissent déjà saisir la problématique de votre secteur à travers quelques thématiques vraiment clairement identifiées. Tout à l'heure, juste en discutant dans la pause avec M. Benouna, on a par exemple évoqué mon expérience personnelle en tant que client au niveau de l'application mobile. Donc, est-ce que, par exemple, vous pensez que cette application mobile, quelle importance vous y accordez dans votre stratégie? Est-ce qu'on peut encore la faire évoluer? Est-ce qu'on doit la repenser? Est-ce qu'elle est bien comme ça? C'est ce genre de thématique, en fait, que j'aimerais entendre de vous pour vraiment, comme ça, quand il y a l'échange avec les jeunes, on peut vraiment créer de l'innovation. En fait, il y aura plus de valeur si c'est dans notre perception des choses, on commence à penser que sont les services qui sont utiles pour moi en tant qu'individu lambda, et après voir la possibilité de les intégrer comme étant des services bancaires. En pensant comme étant des services bancaires, on va plutôt rester collé finances, transactions bancaires, alors que ce n'est pas vraiment utile. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Peut-être que intégrer un service au niveau de la banque, c'est juste pour certifier certaines choses et lier certains risques au niveau du service et que le service répond parfaitement à mes besoins et que je vais par la suite adhérer à cette banque et non pas à l'autre banque parce qu'elle propose des services qui sont innovants pour moi. Tout à fait, pas exactement. Tout à l'heure, on parlait de ça. Moi, personnellement, comme je vous ai raconté tout à l'heure mon expérience avec l'application mobile, une fois que j'ai testé la démo et que j'ai trouvé ça intéressant, j'ai ouvert un compte et je l'ai testé, je l'ai challengé moi-même en disant « Ok, ça a l'air bien, ça a l'air sympa, j'ai testé, j'ai payé mes premières factures, tout s'est bien passé. » Et ensuite, je me suis dit « Bon, je pense que j'aimerais bien avoir ce service-là. » Malheureusement, on n'a pas eu le temps de retracer. J'avais envoyé dans la section feedback une proposition pour améliorer l'application. Mais en tout cas, je l'avais fait juste pour tester déjà, pour voir est-ce qu'on va me répondre. Et ça, j'ai félicité tout à l'heure la personne qui était responsable de ça. J'ai eu la réponse très rapidement. Et ça, c'est un service extrêmement intéressant. Alors peut-être, est-ce qu'on peut aller encore mieux que ça? Est-ce que, je ne sais pas, je pose la question, est-ce qu'on peut avoir carrément un chat online, une réponse instantanée? Est-ce que vous avez pensé à ça, par exemple? Oui. Oui. Les clients, surtout les clients de CDG, sont des aperçus. Il y a un besoin énorme d'innovation.
Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a proposé, est-ce que je peux chatter avec vous? Est-ce que je peux vous voir directement? Carrément, vous oui. Donner les pièces, par exemple, pour monter un dossier de crédit, par exemple. D'accord. Ouais, il n'a pas envie de se déplacer. C'est ça. Les gens, ils n'ont pas besoin, ils ont pas envie ça. De se déplacer. Comment leur faciliter la tâche? Non, mais c'est vrai. Personne, mais surtout, tout à l'heure, je disais ça aussi. Moi, pour déposer un chèque, je n'ai pas envie de faire la queue pendant 20 minutes, alors que je peux juste... Ouais. Non, mais c'est vrai. Par exemple, notre... Le CIHB nous a donné dernièrement des téléphones, des smartphones. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la visioconférence pour parler avec eux. Bien sûr. Exploiter les potentialités de la technologie mobile pour vraiment offrir une expérience client super intéressante. Exactement. Ça, c'est un très bon thème qui peut être vraiment intéressant. Je suis d'accord. Vas-y, tu as quelque chose à dire. En fait, il faut aussi, je dirais, envisager aujourd'hui un monde connecté avec des objets connectés. Là aussi, c'est un thème qu'il faudrait explorer. Qu'est-ce que justement la banque peut apporter, peut créer dans cet environnement? J'avais entendu un exemple qui était très intéressant, qui était fait en Europe. Une banque a créé une tirelire électronique qu'on donne aux enfants. Et au fait, en fonction de l'âge de l'enfant, cette tirelire va lui apprendre à économiser de l'argent. Par la suite, il lui a appris comment faire via l'application mobile, faire des virements. Comment l'inciter à collecter davantage d'argent pendant ses anniversaires auprès de la famille. Donc voilà, ça aussi c'est un domaine, je pense, qui est intéressant à explorer, parce que d'ici 2020, je pense qu'on sera pas loin de 50 milliards d'objets connectés. Donc d'ici là, la chaise sera connectée, le portefeuille sera connecté, tout sera connecté. Donc là aussi, je pense que c'est un domaine sur lequel il y a des pistes de réflexion intéressantes. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été faites dans ce sens-là. Je voudrais juste rajouter par rapport à ça. Effectivement, on a prévu avec notre partenaire Nextronic qui va être présent, une imprimante 3D. Donc déjà, si vous avez des idées d'objets connectés utiles pour la banque, on sera là pour tout de suite déployer un prototype. Donc pensez-y, ça peut être intéressant. Effectivement. Oui, une intervention. Peut-être avoir un micro pour que chacun puisse... Radouane Fergali, suivi des risques agences. Dans l'application, je pense qu'on peut penser à être parfois, on se trouve dans l'emplacement d'une agence qui n'existe pas. Pour le CS, n'est pas présenté dans une ville. Donc, il fallait dans l'application qu'on le mette en place. Soit j'ai besoin d'un financement, il y a une filiale de CS comme la SOFAC aussi, donc je peux entrer, même si ce n'est pas la présentation de la banque, ça existe. Donc, même il faut mettre en place les produits d'assurance. Donc, je peux voir est-ce qu'il y a l'assurance, il y a l'assurance, auto, souscrire ou habitat, ou tout ce genre. Donc, il y a tant de choses dans qu'on peut penser, c'est surtout la présentation au CS n'existe pas. Donc, j'entre dans l'application, donc je peux me orienter facilement. En fait, j'ai une proposition. En fait, je suis responsable du middle office entreprise. C'est une activité en fait qui est en train de se développer au CIH. Moi, j'ai une idée par rapport à une application où on va prendre des rendez-vous avec des centres d'affaires. Aujourd'hui, le CIH, on n'a pas des centres d'affaires dans toutes les villes de Maroc. Par exemple, on va dire que on va faire une liste de villes, et voilà, pour ces villes, vous devez vous orienter à ce centre d'affaires. On va faire un lien où le client va remplir un formulaire et tout, et va transmettre directement sa demande d'information, et va atterrir chez le centre d'affaires concerné. Et là, il y aura une interaction directe entre, on va dire, un client prospect, et qui va avoir une réponse rapide sans besoin d'avoir à appeler le siège pour connaître des informations. L'information sera très 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 utile pour lui. On peut même penser à pour les clients existants pour des demandes de je sais pas où le client n'a pas besoin de se déplacer, il peut directement faire des demandes sur l'application et tout. Donc on aura plus de la proximité. Mmh. On sera plus, on va dire, accessible à nos clients et éventuellement à nos prospects. Voilà. Donc c'est une idée. Et nous, justement, cette application pour, on va dire, les clients
On peut mettre des liens sur l'application existant CH Mobile et l'application pour les prospects, on peut la mettre sur notre site institutionnel où le client, s'il est intéressé par la banque, il va partir sur le site, il va directement trouver un lien et il aura directement l'accès à ses interlocuteurs en fonction de où il se situe, où son entreprise se trouve. Voilà. Oui. Ouais. Donc voilà. Non, c'est une très bonne proposition, effectivement. Oui, vous n'avez... De tous les clients, parce que voilà, aujourd'hui, ce Strat l'a cité tout à l'heure, donc le système, la plateforme nous permet de servir tous les clients dans n'importe quelle agence. Il pourrait notamment, pour Casablanca, bon, c'est peut-être moins le cas, ou peut-être même sur les autres villes, c'est d'avoir un système de gestion de file d'attente. C'est-à-dire que quand, par exemple, le client il veut aller à Ma'arif ou quelque part, voilà, au lieu d'avoir, il va savoir quelle est l'agence la moins chargée, et il va pour un délai de 5 minutes, de 10 minutes de route. Clairement, moi j'utilise cette fonctionnalité dès qu'elle sort. Yac, tout de suite. Clairement. Eh bien, écoutez, voilà, donc en fait, ça sera couplé avec sa géolocalisation, et à partir du site où lui il est, donc il aura de la visibilité sur la file d'attente dans toutes les agences et il saura où est-ce qu'il peut aller pour être servi rapidement. Non, mais c'est vrai, ce que vous avez proposé là, vous l'avez virtualisé. La question que j'avais posée, en fait, que je pose toujours à la banque quand je arrive. Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Une file. Des fois, même quand je vois une personne, je vais, je lui dis, ça va prendre du temps. Oui. Des fois, une personne, il me dit, là, il y a au moins 20 minutes. Et au moins, vous savez à quoi vous attendez. Voilà, et vous savez qu'il y a une densité plus forte. Mais il faudrait qu'il y ait des indicateurs en agence voilà, qui permettent de... Un objet connecté. Objet connecté, un bouton, il correspond à 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Hop, c'est dans l'application. Voilà. Très, très bonne idée, vraiment.